Bonjour, je m'appelle Thierry Michel. Je suis restaurateur dans le Gard, à l'auberge du Pont Romain. C'est un établissement que nous tenons en association avec mon frère, qui a été créé par nos grands-parents. Nos parents l'ont également tenu pendant plus de 40 ans. Donc, je vais réaliser une pinta d'enfeuillantine avec une vinaigrette mielleuse, en accompagnement une compotée de topinambour. Et pour accompagner et suivre ce plat, Côte du Rhône, Vaquiras, Olivier Ravoir, de 2012. L'appellation Vaquiras est un cru méridional des Côtes du Rhône, situé dans le département du Vaucluse. Dans la région, c'est l'un des rares crus des Côtes du Rhône à produire des vins dans les trois couleurs, rouge, rosé et blanc, avec une nette majorité de vins rouges. Ces derniers ont des nuances épicées avec des notes de sous-bois, à la fois puissants et riches, tout en conservant une belle fraîcheur. Les vins de Vaquiras peuvent se résumer en un mot, l'équilibre. Pour la vinaigrette mielleuse, il faut une base de miel, du vinaigre de xérès, de l'huile d'olive, quelques petites tomates, quelques gousses d'ail, des feuilles de laurier et du poivre noir. Pour réaliser un jus de volaille rôtie, carottes, oignons, poireaux, quelques épices classiques, des parures de champignons séchés. Pour la farce de la pintade, il nous faut également de la menthe, de la ciboulette, quelques foies de volaille et de la chair de veau haché. Pour les topinambours, le plus simple possible, donc des topinambours et quelques échalotes ciselées. Pour réaliser la vinaigrette donc mielleuse, je vais faire cuire l'ail, le laurier et les grains de poivre dans le miel mousseux. Donc je vais décuire le miel avec le vinaigre de xérès. Nous allons le laisser réduire un instant. Nous allons mettre l'huile d'olive quand la température sera un petit peu tombée afin de garder les saveurs de l'huile d'olive. Je vais ajouter les petites tomates afin d'apporter un peu plus de liquide à la vinaigrette. Et il y a toujours une pointe d'acide. Donc l'eau va se libérer dans la vinaigrette. Je vais faire flamber la pintade afin d'éliminer toutes les petites plumes qui pourraient y rester. Il faut modérer le flambage pour pas cuire la chair de la volaille. Donc la peau va se rétracter. Pour désosser la pintade, nous allons enlever les ailes qui ne seront pas utiles pour cette recette. Alors les pintades, il y a toujours une aile qui est coupée, donc forcément il y a un blanc qui est moins gros que l'autre puisque le muscle ne travaille pas. Pour désosser donc les cuisses en premier, on coupe jusqu'à la jointure de l'os, on force un petit peu et là on enlève avec la cuisse, on retire le solilès. Ensuite, pour retirer les blancs, donc il faut tenir la volaille comme ceci, faire une entaille de chaque côté, longer jusqu'à l'aile. Et là, nous allons sortir donc ce qu'on appelle les suprêmes, qui est le blanc de la volaille plus l'aile. Donc voilà, le suprême de volaille. Donc la carcasse qui va nous servir pour réaliser le jus, nous allons la fendre pour qu'elle puisse rôtir plus facilement. Pour récupérer la chair et réaliser la farce donc, de la pintade en feuillantine, les ailes, même grasses, peuvent être utiles. On en retire sur la volaille, le maximum de chair. Donc, c'est une recette de ma grand-mère. Donc, elle voyait les choses
à l'économie, donc ce qui nous laisse très peu de chair pour les cuisses. Donc très simplement, sans détail, puisque nous allons réaliser la farce avec les cuisses et non pas les suprêmes. Donc on en extrait la chair. Donc une fois les cuisses et les ailes désossées, donc nous allons réserver les parures des carcasses donc, dans une plaque pour le faire rôtir. Les suprêmes donc, vont venir garnir la pentade en feuillantine. Donc il nous faut couper des lanières afin de à la tranche, donc nous aurons la volaille très simplement. Pour réaliser la farce, à partir des parures de pentade, on va les hacher et les assembler avec donc, les foies de volaille et un peu de chair de veau en quantité égale. Donc maintenant, on va y incorporer de la ciboulette ciselée, une échalote ciselée également. Donc la ciboulette ciselée, la rajoutons dans la chair. Cette farce. Nous incorporons à la farce. Donc la farce, une fois assemblée, assaisonnée, nous allons pouvoir l'employer afin de rouler les feuillantines. Donc après avoir assaisonné les suprêmes de pentade, nous allons les réaliser la feuillantine avec de la feuille de filo que nous allons passer au beurre clarifié. Donc c'est de la feuille de filo, nous la doublons pour que ce soit qui ait un petit peu plus de croustillant après cuisson. Alors à l'origine, les feuillantines de pentade étaient faites sur une base de feuilletage. C'est ce petit côté-là que nous avons changé aussi. Nous avons opté pour quelque chose de plus léger, dont la feuille de filo. Maintenant, nous allons donc rouler la feuillantine en y mettant au centre donc une lamelle de suprême de pentade, la farce. Une fois assemblée, on y ajoute une feuille de menthe à l'intérieur. À la cuisson, donc et seulement à la cuisson, donc la menthe, le goût de la menthe va incorporer la préparation. Donc on rabat les bords au possible, afin d'avoir quelque chose de bien formé. L'excédent de feuilles filo, il faut le supprimer. Donc je vais cuire cette feuillantine de pentade une quinzaine de minutes à 180-190 degrés. Alors pour réaliser le jus de volaille, nous allons tailler les légumes de base. Donc une taille assez fine. Donc le jus sera filtré après. Donc ces légumes en cuisson avec une noix de beurre. On va légèrement faire colorer les légumes afin d'avoir une sauce donc un petit peu marquée en couleur. Quand on y ajoute les os rôtis de volaille.
quelques éléments aromatiques. Donc l'ail, le laurier, le genièvre, le poivre, les clous de girofle, donc quelques parures de champignons séchés. Donc j'ai ma compotée de topinambour qui a été faite très simplement, donc avec une échalote ciselée et suie au beurre. Donc c'est cuit à couvert quand même, ça nécessite un petit peu de temps. Donc j'ai les feuillantines qui sont cuites également. Mes deux sauces sont prêtes. La réduction de miel, donc ça a été réduit. Donc on a vraiment une vinaigrette mielleuse avec un peu de tonus grâce au vinaigre de Xérès. Et le jus de volaille après réduction, donc monté à l'huile d'olive. Donc on va pouvoir voir l'intérieur de la feuillantine. Donc on peut voir la farce et le suprême de pintade qui est à l'intérieur. Accompagné une compotée de topinambour. Alors le topinambour se mariera très bien avec la vinaigrette mielleuse. Et donc le jus corsé de volaille. Alors pour finir avec une tuile de pain de campagne et rappeler la ciboulette qui est à l'intérieur de la préparation. Donc voilà la feuillantine de pintade avec sa compotée de topinambour et la vinaigrette miel. Donc pour accompagner ce plat, un Côte du Rhône Vaquieras, Olivier Ravoir 2012. Depuis 1987, Roger Ravoir, fils d'une dynastie vigneronne, élabore patiemment avec soin et méticulosité des vins exigeants où se reflète la vérité du terroir et l'originalité du millésime. Ce vin de l'appellation Vaquieras est produit à base de grenache et de syrah. Le grenache apporte de la rondeur et de la générosité, la syrah sa belle couleur et sa finesse. Donc, il est puissant, souple. Il a des arômes de fruits rouges, de garrigue même. Donc ce vin s'accordera très bien avec la pintade en feuillantine.